monde, c'est Dadou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour pour le retour, le vrai retour cette fois. Il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de peut-être. C'est le vrai, comme t'as pu le voir. Nouvelle intro, nouveau design. Tiens, regarde ce petit background là derrière moi, regarde-moi ça. Il est beau, on va pas se mentir, il est beau. Donc voilà la présentation du design, donc je vais pas vous tout vous spoil. Il y aura pas mal de choses, j'ai surtout axé beaucoup sur Twitch, le nouveau design. Je vous en dis pas plus. Si, je vous en dis plus. Si, en fait j'ai envie de vous en dire plus, putain. En fait, si, je vais t'en dire plus. Attends, regarde, bouge pas, alerte follow. C'est quel côté? C'est lui. Bam. Bonsoir, bienvenue. Ça claque sa mère. Du coup, donc, comme vous l'avez compris, donc maintenant on va être un petit peu plus sérieux. Donc oui, je reviens vraiment sur YouTube et sur Twitch. Plus principalement sur Twitch, en fait, je vais pas vous mentir, c'est par gain de temps. En fait, étant salarié avant tout, donc ce qui fait que j'ai des horaires la semaine, j'ai des choses à faire, c'est beaucoup plus facile à mettre en place un live d'une heure ou deux, entre 2 jours ou quoi que ce soit, que faire une vidéo. C'est, voilà, c'est... La chaîne Dadou Gaming ne deviendra pas une chaîne de rediff, soyez-en sûr, il y aura toujours du contenu spécialement pour YouTube, du contenu spécialement pour Twitch. Mais bon, ça, on en revient un petit peu plus tard. Donc pour revenir sur le design, celui qui me l'a fait, donc bien entendu, n'allez pas le spammer en pensant que c'est gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, sachez-le. Donc la personne qui m'a réalisé le design, il s'agit tout simplement de Ciné Gaming, Kylian. Donc vous avez dû peut-être le voir à l'époque sur YouTube, etc. Enfin, il n'y a pas de souci, je vous mets son Twitter, là, ou là, enfin là où vous le voulez. Enfin bon bref, je vous mets son Twitter. Si ce que vous avez vu niveau design vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ça avec lui. Bref, la parenthèse design est maintenant terminée. Alors... Je sais même pas par où commencer, en fait, tellement qu'il y a de nouvelles choses. On va commencer par les réseaux. Alors, j'ai un TikTok. Ouais. Le but du TikTok, ça va être tout simplement que du manque de respect, partager quelques clips fun, des lives de YouTube, enfin, on verra. J'en ai un. J'ai passé le cap. J'ai honte, mais c'est pas grave. On va bien s'amuser. Donc, si jamais vous l'avez dans la description, si vous voulez aller voir, c'est avec grand plaisir. J'ai un nouveau snap, donc l'ancien que j'utilisais pour YouTube ne sera plus du tout d'actualité. Donc le snap tout est facile, DadouGaming31, exactement le même nom que le TikTok. Si vous voulez c'est pareil, le snap va sortir, va plutôt, bah... Le snap va surtout servir, comme d'habitude, pour discuter. Pour ceux qui m'avaient sur l'ancien, vous savez très bien, je réponds le plus souvent, enfin. Voilà, c'est pour discuter, suivre un petit peu l'actu, les annonces et autres. Le chat, ça te fait chier? Quoi? Mais quoi? Twitter, ça ne change pas. Facebook, qui utilise Facebook en 2021? Quoi? Mais qu'est-ce que tu revendiques? Point très 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 important, le Discord. Le Discord que j'utilisais est toujours le même. Il va avoir le nouveau Discord que je vais vous mettre justement dans la description aussi de cette vidéo. Ce sera plus un Discord communautaire qu'un Discord pour moi tout seul. Donc on a mis à la base énormément de plugins, quelque chose de très 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 carré. Viens là. Viens là, ça suffit. Donc du coup on a refait le nouveau Discord, donc on peut dire merci, un très gros merci à... Donc on peut dire... Donc pour ça un énorme merci à Ben, NHA, que vous verrez sur le Discord quand vous viendrez. Qui a tout codé, qui a tout configuré, qui a fait ça, mais au top du top. Mais vraiment au top du top du top. Donc quand je dis un Discord communautaire, donc en fait on reprend les vieux copains et on essaie d'apporter quelque chose. C'est-à-dire ça serait un Discord, donc le Discord RBF, la Rebouche Family, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et du coup vous aurez quelques streamers dessus, vous aurez pas mal de salons de jeux. Après le mieux ça serait que vous venez voir, mais en gros en fait c'est imaginons que moi vous venez sur ce Discord pour être... Pour suivre mes alertes à moi ou ce que moi je peux proposer, vous ne serez pas spammé par les autres, et vice versa. C'est-à-dire par exemple, quelqu'un d'autre vient sur le Discord mais il sent pas les couilles de moi, il sera pas obligé de me suivre actuellement. En fait, vous aurez plusieurs rangs, donc vous serez pas spammé dans tous les sens. On a fait pas mal de jeux aussi, on va mettre des guides sur les jeux, donc des tutos, des guides, des actus, etc. Enfin, vraiment un Discord vraiment communautaire où il fait bon vivre. Du coup, ouais, j'ai fait le tour des réseaux, j'ai fait le tour du Discord, j'ai fait le tour du design. Est-ce que le contenu va changer? Non. En fait, je vais pas vous mentir, pendant longtemps, j'ai hésité à reprendre YouTube, parce que quand je vois comment c'est devenu YouTube, ce côté pro à outrance, ce côté toujours dans la surenchère,
C'est un côté qui me plaît pas du tout. C'est moi à l'époque, moi YouTube, pour moi YouTube c'est l'époque de Wartex, c'est l'époque de Monsieur Levé 12, avant que ben, ils sont obligés de suivre la tendance, tu vois ce que je veux dire, arriver à un stade, ils sont obligés de suivre la tendance. Mais moi c'était ce côté-là amateur, c'est tu prends ta vidéo, tu commentes par-dessus, tu lâches ton délire et sache kiffer. Et c'est quelque chose qu'on a plus. Et c'est quelque chose qu'en fait au final mon objectif il est pas de taper le million, taper 2 millions, 3 millions. Mon objectif va être de faire reprendre ce qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire mes petits kiffs, prendre du plaisir à les faire. Bon, bien entendu, entre 2013 et 2021, j'ai pris de l'âge, donc les délires seront pas les mêmes, ça c'est sûr, à 100%. Mais voilà, je pense qu'on restera dans ce côté amateur qui me plaisait à l'époque et qui me plaît toujours autant. Et ce qui me démoralisait en fait, c'est que j'étais obligé de faire du contenu pro pour être mis en avant. Bah, je vais pas vous mentir, je m'en bats les couilles maintenant en fait. Soit mis en avant ou pas, c'est le but, ça va être de prendre du plaisir. Ceux qui sont toujours là, ceux qui sont toujours après des années et des années, qui sont tout. Ceux qui sont toujours là après des années et des années, qui attendaient peut-être mon retour et qui s'en battent les couilles littéralement. Hein. Mais genre, j'ai fait sur TikTok, j'ai fait une vidéo avant même de vous en parler. J'ai eu des commentaires, putain, c'est Dadou de l'époque de Slazerio. Les vidéos datent de 2016, on est en 2021. Et les gens s'en souviennent encore, tu vois, donc c'est. Je vais pas dire que je vous ai manqué, je suis pas prétentieux à ce point-là, mais je pense qu'en fait j'amenais un petit délire qui peut-être ne se voit pas grandement ailleurs ou quoi que ce soit, ou ce côté où on se prend pas la tête et on avance dans le plus grand des manques de respect, mais. Donc je me suis dit que ouais, ça peut-être y avait quelque chose qui. Peut-être qu'il y avait quelque chose au final et que bah, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Alors, chose aussi très importante, alors ça, j'en ferai une vidéo totalement dédiée. Totalement dédiée. On a une nouvelle config. Et pas une petite. La config. Je vous mets pas de photos. Enfin, je vais pas vous en mettre de photos ici, on s'en fout. Il y aura une vidéo vraiment dédiée quand j'aurai pu changer mes écrans aussi, mais ça sera pas de suite. Bientôt, prochainement. Quand en fait, c'est dès que le setup sera complet, que j'aurai pu changer mes écrans, que je serai sur triple moniteur, etc. etc. Je voudrais juste remercier Frankie Gaming, tout simplement, mon petit frère, sans qui bah, tout ce que vous voyez là, tout ce que j'ai pu faire pour cette relance, n'aurait pas été possible. Mon PC qui a grillé, donc le PC que j'avais à l'époque sur YouTube, etc. Donc ça m'a fait vraiment un gros pet au cœur. Je vais pas vous mentir, c'était mon PC de YouTube. J'ai encore les noms des gens qui m'avaient aidé à le financer à l'époque en live, etc. Voilà, ça m'a fait mal. Et très clairement, dans la situation dans laquelle je suis actuellement, et la situation dans laquelle le PC est actuellement, entre les prix qui sont totalement énormes, etc., je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas changer de PC, donc pas cool. Et donc du coup, grâce à mon petit frère, on a trouvé un arrangement, et donc du coup, bah, j'ai pu prendre une config très rapidement, que j'ai montée très rapidement aussi, et que du coup, bah, j'en profite à l'heure actuelle. Donc il y en aura une vidéo totalement dédiée, peut-être avec lui, ça me ferait plaisir qu'il y participe, même d'ailleurs, j'y en demanderai, j'y en parlerai à l'occasion. De toute façon, quand le setup sera fini, bien sûr. Mais voilà, je pense que dans les commentaires, vous pourrez mettre un gros merci Francky, parce que bah, tout ce que vous voyez là, tout ce que je viens de vous annoncer... Bah, c'est en grande partie grâce à lui, en fait. Si tu te fais chier demain, parce que oui, là on est vendredi, donc si tu te fais chier samedi, donc le samedi 12, il y a de fortes chances que si samedi aux alentours de 14h t'as rien à faire, il y a de très très fortes chances. Je dis bien des très très fortes chances. Ça c'est le moment suspense, tu vois. Je l'ai mal fait, mais c'est un moment suspense. Que tu vois, il y a un gros chauve-barbu en train de péter un câble en live. J'espère en tout cas que ce retour officiel vous fait vraiment plaisir. Moi en tout cas, je vous le dis, c'est peu importe le nombre de vues, peu importe le nombre de viewers, que cette vidéo passe totalement à l'as. Je m'en fous. Parce que moi, je sais que je prendrai du plaisir à revenir en tout cas. Donc j'espère vous voir nombreux demain sur Twitch, j'espère vous voir nombreux sous cette vidéo, j'espère vous voir nombreux arriver sur Snap, sur TikTok, sur Discord. J'espère vraiment que vous serez là. On va pas perdre les bonnes habitudes, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo. Pourquoi pas la partager aussi aux gens qui me suivent à l'époque, qui savent même plus si je suis vivant. Peut-être que ça peut leur faire plaisir de revoir mon gros crâne. Ou peut-être qu'ils vont dire c'est qui cet enculé, je le connais pas. Mais bref, partage-lui quand même, ça ferait plaisir. Qu'on fasse vraiment un bon gros retour en force et qu'on explique à YouTube qu'on n'est pas obligé de faire des vidéos avec Macron pour faire des vues. Qu'on peut faire des trucs à la con et ça marche. Ou pas. Mais on peut quand même essayer. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, c'était Dadou. Peace!